était tellement dingue dans le paysage télévisuel que je pense que ça nous suffisait complètement, quoi. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile, on sait jamais. Et pourquoi ils passent à la télé? Parce que c'est des stars. Pourquoi c'est des stars? Parce qu'ils passent à la télé. Loana? C'est bon ça, Loft Story. Quand je pensais au Love Story, c'était Loana, beaucoup. Parce qu'on parlait beaucoup, beaucoup d'elle. Et que c'était la gagnante avec Christophe. Pareil, Loana. Et puis après, ce qui en a découlé plus. Secret Story, tout ça. Ouais, c'est plus notre génération, peu, Secret. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai consommé beaucoup dans l'enfance et l'adolescence. Moins aujourd'hui, parce que j'ai plus la télé. J'ai énormément regardé Secret Story, Star Academy, Koh-Lanta, Pékin Express et tout. Ouais, c'était vraiment des rendez-vous importants avec mes frères et sœurs. Moi, j'ai regardé tout le Loft pour pouvoir regarder le plus possible Loana et comprendre ce qu'elle vivait. Moi, j'ai rien regardé pour justement avoir la même surprise que mon personnage quand il découvre les images. C'est plus une volonté de représenter une dérive liée à la surconsommation du Loft et au manque de distance avec le Loft. C'est ça que représente mon personnage plus qu'une personne réelle, finalement. C'est un peu chaud quand même, non? Mais ils savent qu'il y a des caméras. Il se passe pas tant de choses que ça dans les épisodes, en fait. Maintenant, il y a vachement d'activités dans la télé-réalité, etc. Et il se passait pas tant, mais c'était tellement la première fois, c'était tellement dingue dans le paysage télévisuel que je pense que ça nous suffisait complètement, quoi.